Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Alors, un nouvel épisode de Phasmophobia avec une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas dans le jeu et qui est la détection du cardio. Oui, ce sont mes propres pulsations que vous allez pouvoir observer, bouger pendant la partie, pendant les épisodes, et c'est ce que nous allons commettre plus régulièrement pendant les tournages en live. Je vous laisse voir ceci, on se donne rendez-vous ce soir sur ma chaîne Twitch, le lien est en dessous. En tout cas, c'est une vraie découverte, c'est un vrai coup de cœur pour moi que Phasmophobia. Je vous dis donc à tout vite. Pourquoi vous voulez prendre des photos de fantômes? Pourquoi? Suzanne Martin. Elle s'appelle Suzanne. Caméra. Donc c'est officiel, ils attendent pas 5 minutes pour être dégueulasse. Ah non, j'ai oublié. Ils attendent pas 5 minutes. Hein. Ah non. Bonjour. Je suis là pour l'ambiance. L'ambiance très agréable. Cette VL. Non, pas que, mais je le découvre en solo. Ouais. Très envie d'essayer un plus, mais... Alors... Mais non, mais t'as... Mais non! Mais t'as déjà éteint, là? Non. Non, c'est moi, hein. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Je plaide coupable. Non, les grosses maps... non, j'ai pas envie de... On va invoquer le dégueulasse. Mais non! Ça c'est mon cœur ça. C'est tiramisu. Je voulais pas allumer là. Je voulais pas ouvrir les lavabos. Mais non. J'ai demandé une mauvaise nouvelle. Merci Picsou. Merci beaucoup. Mais ils veulent qu'on prenne une photo de ça, hein. Mais va te mourir. Je suis désolé pour le lavabo. Merci ZVL. Très grand merci à toi. Mais... Mais la peluche, mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu glandes ici, la peluche de tes morts? Ok. Très bien.
Je suis pas rassuré non plus. Hein. Merci beaucoup ZVL pour ton soutien psychologique à cette terrible épreuve. Merci beaucoup. Plus de... Oh, oh, une pluie d'orbes prismatiques de l'esprit de ces morts. Merci beaucoup. Un très grand merci à toi. Merci. Est-ce qu'on peut faire une pluie, s'il vous plaît, de je dirais bien, de au secours. Une pluie de GG, une pluie de bravo pour ZVL. Merci beaucoup, ZVL. Très, très grand merci à toi. Et ça fait moins de 5 minutes. Et là, pour l'instant, il n'est pas agressif. Dans 10 secondes, l'esprit sera un tout petit peu plus agressif. Là, ça va, vous voyez. Là, c'est easy. Là, franchement, là, on est bien. Merci, Crapio. Merci beaucoup. Prenez une photo, mais je vais t'en mettre des photos. Je suis très envie de me poser le livre en fait. Merci Jintoki 23. Bonsoir, je suis Suzanne Martin. Non, tu n'es pas Suzanne Martin. Imposture. Des courants d'air. Hein. Je vous attends avec impatience. Ouais, l'un de nous deux qui a impatience. Ça, c'est l'essentiel. Merci infiniment, Crapio. Très grand merci à toi pour Lila et Brocla. Et merci ZVL, un immense merci à toi, un immense merci. Très très grand merci à toi, c'est énorme. Il n'est pas agressif. Ah! Tu peux mourir avant la fin du décompte. Quoi? Mais non, mais non! Et c'est du team, c'est du spawn kill s'il fait ça! Merci bien quoi. Mais non, non, non. Ah non. Ah non, je suis pas d'accord. Merci Alia. Mais non, mais arrête. On a quoi? Fantôme, Jin, Ombre. Ombre. Un fantôme. Ah, c'est un fameux. C'est un... Ah, c'est un fantôme timide. Oh. Fantôme territorial.
n'y a pas les écrits. Il n'y a pas les écrits. Vous savez, c'est-à-dire quoi? Fantôme. Ombre. Donc, c'est pas une ombre. Donc, c'est pas un fantôme timide. On est bien d'accord avec ça. Il nous reste le fantôme. Et le djinn. Fantôme territorial, moi je pense que c'est un djinn. Orbe fantomatique, c'est ok. Spirit box, mais non! 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 Je ne veux pas la spirit box! Le misclic du stress! Alors tu vois, là c'est quand je traquais ce puissant esprit. Ça c'est. Les volets. Du placard. Or, c'est un store d'excellente qualité. Toi-même, tu sais. Oh, je me redresse moi quand je parle de store. Non, il n'y a pas de. Alors, c'est soit la spirit box. Non. Soit c'est la spirit box. Soit les températures glaciales. Moi, je pense que c'est la spirit box. Je pense que c'est. Attends, je n'ai pas la spirit box. Je l'ai posé où? Mais je l'ai posé où? Et quelqu'un se souvient où est-ce que je l'ai posé la spirit box? Ah, par terre. Oh. Tout va bien. Je n'ai pas du tout stress. Tout va bien. Ah, tout va bien. Ah, je vote pour. Enfin, je vote. Un djinn. Hein. Je vote pour un djinn. Hein. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Belle! Ton nom? Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom, wesh? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Comment tu t'appelles? Quel est ton âge? C'est quoi déjà son nom? Comment tu t'appelles?
Quel est ton âge? Non, non, c'était en français que j'avais mis le réglage. Comment tu t'appelles? Nous reste les empreintes. Plus truelle ou pelle? Ah, plus truelle. Plus truelle. On aurait pu laisser ça là-bas, hein, mais là. On a essayé les textes. Donc, il n'y a pas le cas. Donc, on va voir les empreintes. C'est pas le choix, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est soit. C'est la Spirit Box. Température glaciale. Ah, mais non, mais du coup, c'est l'un des deux, quoi. Soit un fantôme. Regardez. Il n'y avait pas de température glaciale. Hein. Il n'y avait pas de température glaciale. C'est pas une ombre. Les écritures. Mais ça, ouais, du coup, ça sert à rien que je prenne ça, c'est pas les empreintes. Ça peut pas être le... ça peut pas être ça. Ça peut pas être les empreintes. C'est forcément. Je vais aller récupérer le cahier, mais j'ai un gros doute. Il n'y a pas eu de buée. Il n'y a eu aucune buée, donc c'est pas ça. Après, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait peut-être un petit bug sur la Spirit Box. Là, j'ai posé le cahier ici. Hein. Rien d'écrit ici. Rien d'étage. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Ah non, il va falloir l'invoquer. Oh mais non! Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Fais-moi un signe. Oh, je vais l'invoquer. Je vais dans le placard. Attends. Juste avant, je vais voir s'il passe les placards. Je vais voir s'il passe les placards. Est-ce que ce serait bien malin d'énerver quelqu'un qui passe un placard? Voyagerait à une vitesse plus rapide. Mieux. Il a bougé le lapin? Non, il a pas bougé. Arrêtez avec ça! Suzanne! Merci à toi, Loretta.
Suzanne Martin. Suzanne Martin. Suzanne Martin. Merci Loretane. Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel âge as-tu? Mais... Elle a fermé la porte d'entrée. Mais oui, elle a fermé la porte d'entrée, cette cancandine! Merci Ornite. Merci Ornite. Mais non. Je pense que c'est la spirit box. Mais ouais, chaud. Le disjoncteur. Elle a éteint le disjoncteur. Le disjoncteur qui est où? J'ai perdu mon orientation. Soixante-dix. Ok. Ok. Suzanne Martin. Pardon, je me suis trompé de personne. Mais arrête avec tes orages de... Quel âge as-tu? Pourquoi tu...
non, non, non. Ah non. Elle ferme des portes. Mais wesh! Oh! Ok. Les températures glaciales, on les a pas. Ça, ça peut pas être un cauchemar. La Spirit Box. Ça peut pas être un fantôme. Parce qu'il n'y a pas de température glaciale. Je pense que c'est un djinn. Écriture fantomatique, il y a peut-être ça comme alternative. Peut-être. Si, on a deux preuves en fait. Sur trois. Et on a également des photos. De ce volet de battant. Très intéressant. Fantôme djinn ombre. Le fantôme c'est ça. Hein. Le fantôme c'est quoi? C'est température glaciale. On les a pas les températures glaciales. On les a pas du tout. Pour l'écriture, franchement, c'est soit la spirit box. Les écritures. Oh, c'est bon là. Température glaciale. Vous avez vu, j'ai fait du par la bouche. On l'a. Je l'ai fait. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Ça veut dire quoi? Faut qu'on sorte. Allez, maintenant. Pardon pour le dérangement. Salut. Voilà. Parfait. Manque une photo du fantôme. Oh, ça va. Est-ce que c'est raisonnable de prendre une photo du fantôme? Est-ce bien raisonnable? J'ai pas l'impression, hein. Et ouais.
C'est qui s'est fait 30 dollars? C'est nous!